Salut Frank So Fishing, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis chez moi, comme vous le voyez. Je suis installé à mon petit bureau. Je suis en train de faire un petit montage vidéo. Puis, malheureusement, triste découverte en venant de l'événement brise-glace, j'ai réalisé, probablement à cause du froid extrême, faisant en bas de moins 30 durant la fin de semaine, mon micro a fait défaut. Probablement l'humidité a gelé dans le micro, puis ça a endommagé la capsule. Fait que j'ai quand même beaucoup de séquences qui ont pas de son. J'ai dû refaire mon intro comme que je suis en train de faire en ce moment. Par contre, j'ai quand même quelques belles prises que je vais vous montrer. Jérémy Marquis qui a pris une belle Arctic Char, ça je vais vous montrer ça. David Vanek qui a fait une petite chronique par rapport à un équipement de Vexilar pour voir la profondeur, je vais vous montrer ça. Puis une belle petite ride à skidoo. Fait qu'en gros c'est ça, je vous présente la vidéo malgré tout. J'espère que vous m'en voudrez pas, hein? L'électronique ça fait partie de la game, ça peut être endommagé. Fait que, en gros, c'est ça. On regarde ça tout de suite. Vous savez, aujourd'hui, on a la chance de pêcher avec David Vatnet. Fait que, dans le fond, David il a amené une petite sonde pour la profondeur. Je vais vous laisser la présenter, c'est quand même très cool. Voilà, ça c'est mon petit détecteur de profondeur de la marque, de la compagnie Vexilar. C'est un petit appareil là, qui indique seulement la profondeur, qui est toujours pratique lorsqu'on veut chercher une structure. Donc, je vais vous montrer la manière de fonctionner, c'est simple. Il n'y a pas de danger de l'échapper à l'eau. De toute façon, si on l'échappe à l'eau, ça flotte. J'ai seulement le bouton en off qui est ici. Je vais juste déposer ma sonde à la surface de l'eau. Exactement dans le trou ici. C'est pas plus long que ça. Lorsqu'on veut chercher une battue ou une structure, une pointe de roche, on a juste à vérifier en perçant nos trous. Ça s'en sert bien. On peut l'insérer ici. Ça s'insère dans la poche, c'est facile. Lorsqu'on perce, on sort l'appareil, on prend nos données de profondeur et on le remet simplement. Prends ton temps. Oh, une grosse stick de... Ah oh, oui, elle est belle. Je sais pas si c'est un char. Combien de pouces en dessous de la glace? Force la pas. Oh yeah! Yes, sir! L'article en plus. Hey, ma première. Yes, sir, mon Dieu. Bon, moi ça, mon Dieu. Hey, t'as tout fait. Hey, c'est belle. Ça met toi dans. Oh yes! Yeah. Attends, lève-la pas tout de suite. Attends, laisse ton leurre dessus. Puis, ouais. On va attraper au cas où tu l'échappes à l'eau. Ouais. Elle est vraiment belle. Oh, ouais. Wow! Yes, sir, félicitations, man. Sir. Très, très cool. Yeah! Ben, j'étais venu pour ça. Elle est là, ouais. Trappe-la à l'eau. Ouais. C'est le fun, j'étais content. Pow! L'action! Ça se met au doigt.
Ouais, l'as-tu pogné au fond? Tu l'as pogné où? Bon, mais that's it pour aujourd'hui. L'avant-midi a été quand même très difficile. Le poisson n'a pas voulu mordre. Pas très coopératif. Jay était chanceux. Viens ça. Jay était chanceux. T'as pris. Ben, dis-le avec quoi tu l'as pris. Ah, j'ai pris un bel Arctic Char. Le nom français, c'est un noble chevalier. Je l'ai pris avec un Atomic Teaser. Une petite pâte de MD Leur. Saveur. Je me souviens plus. Morue, café. Trois de morue et café. C'est des petits pots comme ça. Ça a comme sauvé ma fin de semaine. Là. Moi, j'étais venu. Mon objectif, c'était de prendre ce poisson-là. Ça donne vraiment un combat incroyable. Ah, puis t'as été chanceux surtout parce que t'as mis de la ligne à l'eau. Le temps de remonter un pied, paf, tout de suite. Ah oui, ça n'a pas pris de temps. C'est instantané. Ah oui, c'est. La fin de semaine, je vais vraiment prendre un Arctic Char puis c'est fait, ouais, petite, yes. Fait que en gros c'est ça, super cool, pêcher avec Jay David Venet, Martin de Fish and Fist à l'auberge La Barrière, Lac Sancœur. Si vous voulez vous payer des belles vacances, venez pêcher la truite. C'est ici qu'on a fait l'événement Brise-Glace hier. Super belle place. La place est accueillante, la bouffe est bonne, tout est cool. Beaucoup de poissons à semencer aussi. On a juste pogné une fin de semaine difficile, vraiment. Là, le poisson n'était pas très coopératif. Ça fait partie de la game de pêche. Puis vous allez pouvoir pratiquer vos skills de pêcheur ici. Fait que, ouais. Sur ce, that's it. Keep fishing. Salut, à la prochaine. Ah, c'est cool.